Allez, ça y est, on y est. Salut Pierre. Salut Hervé. Finale du UEFA Champions League, c'est ce qui est au menu aujourd'hui. Ouais, deux équipes qui ont réalisé un parcours exceptionnel jusqu'ici. Maintenant, il va falloir gérer cette nouvelle pression. Marseille face à Paris, c'est évidemment un match à part qui, bien sûr, depuis des années. Et 2010 tourne souvent à l'avantage des Parisiens. C'était pas forcément le cas 20 ans plus tôt. On s'arrête deux grosses équipes de Ligue 1, mais évidemment aujourd'hui le PSG a pris le dessus. Balotelli. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Schéma classique pour cette équipe. L'occasion de prendre l'avantage. Ah ouais, l'énorme parade du gardien. Ah, il est belle, le gardien a réagi à une vitesse supersonique, il fallait le faire. Mais ben, Dani Alves. Le Paris Saint-Germain qui est l'équipe qui a inscrit le plus de buts en championnat cette saison. Ils sont très dangereux, vraiment. Les joueurs vont aborder le match en pleine confiance et on peut s'attendre d'avoir des buts aujourd'hui. Balotelli. Oh, le but ! L'ouverture du score ! Et ça fait 1-0 dans cette finale de Champions League. Ah, qu'il est important ce but, qu'il est important. Très belle intérieur du pied. Placer le ballon dans la lucarne. Et c'est le qui met le score. Number 9, Mario Balotelli. Thomas Lemieux. Elle passe par la même destination. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Marseille contre Paris, Paris contre Marseille. C'est vrai que c'est pas une rivalité très très vieille, mais elle est quand même imprégnée. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez, à mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein. Le jeu, c'était pas là. Mario Balotelli. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Oh là là, l'occasion. Valère Germain, le gardien qui repousse, ça peut revenir. Intercepté. La défense est quand même sous pression. Ah, il dégage le ballon. Dans 20. Valère Germain. L'OM qui prend confiance, mais il a le soin de son show public, bien sûr. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Il était bien placé pour intercepter cette passe. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. On revoit ce superbe coup d'œil du passeur juste avant ce but. À tout part de là, en effet, c'est vraiment une passe qui, comme son nom l'indique, est décisive. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Cavani. Mbappé. Il avait bien senti le coup. Le but n'est plus très loin dans cette OM PSG. Oui, avantage aux Marseillais pour le moment, mais dans quelques minutes, Paris va pouvoir recharger ses batteries. Payette. Florian Thauvin. Le bon ballon. Et le but pour l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas si c'est sur le plan physique que les Marseillais font la différence, mais pour l'instant, ils dominent vraiment leur adversaire. Maintenant que l'écart est confortable, on sent bien que l'adversaire n'a quasiment plus de chance. Ben, clairement, ce match tourne à leur avantage. Mbappé. Oh, la faute ! L'arbitre qui appelle le joueur de l'OM va sortir un carton, un Pierre. Oui, jaune, normal. Avec un tir,
le défense Verratti. Ouais, impossible de prendre le gardien à défaut à cette distance. Luis Gustavo. Ouais, c'est dévié, le ballon qui sort. Bounassar. Oh, mais je suis nul. Mbappé. Kylian Mbappé. Le tir. Non, ça passe largement hors du cadre, cette frappe. Di Maria. Et on va jouer 2 minutes de plus. There will be a minimum of 2 minutes of 22. On a bien récupéré, il avait anticipé. Il a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. La fin de la première période dans cette finale. Et le score qui parle de lui-même, ces joueurs ont déjà vraiment une main et demie sur le trophée. Ouais, mais un euro et demi, tout leur réussi. Les joueurs parisiens qui doivent réagir maintenant, ce serait une grosse déception de perdre cette finale. Allez, les Olympiens avec la touche maintenant. Allez, je perds plus, je parle. Lucas Ocampos. Et Marquinhos surgit et intercepte. Dimitri Payet. Ah non, le ballon est perdu. La faute sur le joueur parisien, ça va donner un coup franc. Lucas Ocampos. Luis Gustavo. Balotelli. La passe de Dimitri Payet interceptée. Touche en faveur de l'OM. Dimitri Payet. Luis Gustavo. Hiroki Sakai. Elle a bonne anticipation. Di Maria qui intercepte. Mario Balotelli. Balotelli. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Et le pressing haut pour aller chercher ce ballon. Il prend sa chance. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Balotelli. Bon, dégagement sans se poser de questions. Ouais, il a le temps de centrer. Oh là là, l'occasion. Non, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Hiroki Sakai. Luis Gustavo. Mario Balotelli. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Marco Verratti. Ah, je sais, c'est bon. Regarde, c'est ton goal. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Fais la passe pour moi. Non, non. Mais fais la passe pas sur moi, vas-y. Vite, lâche-la, parce que si je la chope, c'est bon. Oui, c'est vrai. Eh oui, il doit être plus malin, plus patient avant de faire son appel. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Très belle prestation dans cette rencontre, mais l'entraîneur le fait quand même sortir. Bizarre. Les 20 dernières minutes, nous y sommes. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Non. Allez, c'est donné par-dessus. Non. Quel attaquant. Ah oui, belle talonnade. Oh.
Oh, nul. Ah, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Ouais, là, il garde bien, bonne prise de balle, pas de souci. Ouais, ça, c'est bien joué. Oh, il l'a mis encore là. Balotelli. Valère Germain. Ouais, bien pris la défense. Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien. Oh, quel arrêt. Ah, ça, c'est un sacré plongeon, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il avait le bon ballon. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Ah, c'est probablement le coup de massue. Ils ne pourront pas revenir. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. Neymar. Ça ne repasse pas Di Maria. Mbappé. Et la frappe. Allez, corner. Le corner de Di Maria dans la surface. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. 2 minutes de plus au minimum, c'est ce qu'indique le quatrième arbitre. Et la passe est interceptée. Et voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe qui a préparé son match comme elle le devait, qui a été sérieuse jusqu'au bout. Et qui va donc être récompensé par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen. Oui, parce que gagner une Champions League, c'est un moment merveilleux. Perdre en finale, je crois que c'est un moment affreux. Et eux, bah, ils sont du bon côté. Regardez cette joie collective. Tous les moments de préparation, toutes les difficultés effacées par cette victoire, n'a que le bonheur à vivre. Les joueurs dans quelques secondes vont pouvoir soulever cette fameuse coupe, l'UEFA Champions League. Ouais, c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répondre présent tout au long de la compétition, même pendant les petits moments de flottement parfois. C'est un groupe solidaire, bourré de talent vraiment. Et c'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à remporter ce trophée. C'est un moment historique pour le club. Attention, c'est maintenant, c'est fait. Voilà. Ils sont champions d'Europe. Porte cette UEFA Champions League, la coupe qui va passer de main en main et qui n'en a pas fini d'être fêtée dans ce stade, dans l'avion du retour, dans la ville bien sûr, où une parade va certainement être organisée dans les jours qui viennent. Allez, c'est le moment pour les joueurs de rendre hommage à leurs supporters également, de partager ce trophée avec eux. Les supporters qui nous ont suivis aux quatre coins de l'Europe cette saison. Il est récompensé, les supporters, parce que cette compétition, c'est pas tous les jours qu'on la gagne. Il faut profiter de ce moment. Ah, merci. Ok, Armand, tu proposes un octogone sans règles. C'est quand tu veux, frère. Mais t'as parlé, moi j'ai parlé, j'assume. On attend la date, l'heure, le jour. Part d'arbitre, octogone. Enemy down.